Alright tout le monde, je suis Jeff Sonner et on se retrouve sur la suite de Steel Rising. Donc d'après moi c'est l'épisode final et puis avant de commencer j'aimerais remercier tous ceux et celles qui likent la vidéo et qui prennent le temps de s'abonner, ça m'aide beaucoup et j'apprécie grandement, donc un grand merci à vous. Et puis nous sommes à Versailles, donc c'est la mission qu'on a c'est échec au roi, donc je pense que c'est là qu'on va aller affronter le roi en fait. Et puis ça a l'air d'être très bien gardé. Je vais passer par à droite. On a un beau grappin juste là. General de Lafayette told me to go this way to enter the gardens, but how could he have managed to make it out alive? Oh, dis-moi pas qu'on a un traître. Lafayette, c'est un traître. Ah, oh, check-moi comment il a de l'air puissant lui. Ah, oh, ça me tente pas de me faire voir. Ah, oh, fuck. Il m'a pas vu. Je vais rester ici. Et merde. Yes. Moi, je les skip toutes. Parfait. On sauve tout en faisant ça. Là, je dois monter en haut. On a un grappin là. Est-ce qu'il y a un endroit que je peux passer? Ah, il a fallu que je monte là. Ok, je vais passer par-dessus la clôture. Mais là, il y a beaucoup de chiens. Il y a des ennemis pas mal. Je vais aller voir par ici. Il n'y aurait pas une façon en fait d'y accéder plus facilement. Et oui. Et voilà. Ah, c'est beau, j'adore tellement l'éclairage. Le bosquet du midi. Et là, je dois retrouver le général. Il doit y avoir une façon d'accéder. Oh merde, lui va me voir. J'ai peut-être pas le choix de l'affronter. Ok, c'est bon. Ah ouais, mais je me rends pas, c'est ça le problème. Ok, bon, mais j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Parfait. Et toi, je vais essayer de te prendre par le dos. Parfait, ça. Ici, je vais ramasser ça, merci. Ah, mais c'est bloqué de l'autre côté. Ok, mais je peux monter ici. J'avais pas vu les escaliers. Ah, merde. Yes! Parfait, et voilà.
Damn, hein? Est-ce que je peux débloquer cette porte? Ah, ça l'arrêtait le fun. Tant pis. C'est pas plus grave que ça. Wow, c'est tellement beau. Moi, je sais pas, j'adore tellement le décor. Ah, merde. Ah non, il y en a un autre. Ah, shit. Je les aime pas, eux. Je vais aller voir si je peux pas accéder ici ou ben s'ils vont me suivre jusqu'à ici, en fait. Ah non, ok, ouais, là, j'ai vraiment fait une gaffe. Ici, c'était des chevaliers. Ici, on a raccourci. Good. Et voilà. Ah, c'est bon. Que c'est des ennemis, ça? The petit Trianon is at the end of this path. I cannot get to it. I'll have to enter the labyrinth. Non. Ok, phew. Ça me fait peur marcher dans ce chemin-là parce que... Oh merde. Parce qu'il y a plein de chevaliers. J'ai peur qu'ils se réveillent en fait. Ok. Ah, ah, ah! Ah! Coucou! Bonjour tout le monde! Yeah. Ouh yeah. Ouh. Là tu vas te calmer là. Yeah. J'ai tellement de grenades que je m'en fous tellement là. J'ai tellement de potions aussi là, c'est fou. C'est pour ça que je me permets un peu de rusher. Ah merde. Ah, il m'a vu. Non! Oh! Ah merde! Ça fait bien mal! Il fait quoi là? Ok. Merci. Ah, tu t'es reviré de bord là, c'est pas juste. Check-les comment il s'est reviré de bord. Il donne un coup pis il. Tu te calmes là. Parfait. Oh, il y avait un autre chemin ici. Oh, le con. Ah, 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 il y en a deux. Ok, c'est une petite araignée. Ben, arrêtez de me faire chier. Merci. Merci. Je vais utiliser ma boussole parce que... Ah, ah. La citerne. On est encore au labyrinthe. Je pensais que c'était fini avec le labyrinthe. Ah, oh, pourquoi qu'il m'a vu, lui? Ah oh, non, va chier. Bye. Ah, là, on va se ramasser avec trop d'ennemis, là. C'est ça le problème. Ah,
Tiens. On continue par ici. Oh, ça change l'ambiance là. Oh, y a des ennemis tout autour. Est-ce que je suis obligé de la vaincre? Ben, ça fait une couple de fois qu'il y a des boss puis on n'est pas obligé de les vaincre en fait. Clé de boîtier, ça va juste te donner des clés de boîtier, mais rendu à l'épisode final, honnêtement, là, si c'est le dernier, ça va quand même bien, là. Si j'ai un masse de grenades, d'après moi, on va bien se débrouiller. Waouh! Oh, c'est beau. Ils vont se réveiller, non? Ok. Par ici. Ah, ils sont là. Bon sang, Aegis. Here you are at last. You've come at just the right time. Madame, go and find the children. We must get going. No, no. We can't. I can't. The children? Charlotte and the Dauphin. They are here, upstairs, in the Queen's room. General, you and I both know what is coming. You must take them to safety, post haste. No, I will not leave without Gabrielle. Madame de Polignac? What happened to her? Something strange is going on here. The automats will not come within 100 paces. The King's orders, no doubt. He wants to protect his family from his own automats. Sadly, Gabrielle got it into her head to explore the area to gauge the size of the enemy forces. The fool. She left so heedlessly that she was captured before our eyes and... we couldn't do anything to help her. Where did the automats take her? They went towards the palace. Run and get the children. They must not remain at Versailles any longer. Have no fear, madame. I will take you to a place where all three of you will be safe. I will help Madame de Polignac. Dieu te vienne en aide. You are her only hope. Don't delay, Aegis. Our companions are ready to take the palace as soon as you have destroyed its protectors. I will join you when I have fulfilled my commitment to Her Majesty. Les clés du château. Parfait. Donc là, on va pénétrer dans le château. Vaincre l'automate de la cour. Ah, mais on n'arrive pas de là, justement. C'est pas lui avec la cour. Je sais pas si c'est secondaire ou principal. Hein. Là, comme c'est là, moi, je peux me piquer une course. Il y a quelqu'un qui faisait un beau petit pique-nique ici. Ah, c'est un raccourci, ça, en fait. Ouais, ça vaut la peine, hein? Est-ce que ça vaut la peine? Ah non, c'est même pas un raccourci, je crois. Je sais pas. En tout cas. Hop! Non, ça n'était même pas un. Parfait. Je regrette. Oh, je le savais. Je le savais. What? Non! Je sais pas si je peux... Yes! Parfait. Alright, bon, là avec mes mans, je vais aller me racheter mes grenades. Bon, et voilà. Là, je suis rendu avec 67. Maudit qu'on est bien. Est-ce que je peux me piquer une course après toi dans le milieu sans qu'eux m'aperçoivent? Ou je les bats un par un? Je devrais peut-être les battre un par un. Je sais pas à quel point ils vont me suivre. La dernière fois, ils m'ont suivi quand même de vraiment très loin. Ah, ils m'ont même pas vu.
Ah merde. Ok, c'est juste des chiens. Parfait ça. Ok, je peux pas déverrouiller ça. Ok, c'est ici. Le bosquet du théâtre. Allez, viens. Oh, 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 il y en a plusieurs. Tiens, hein? Oh, lui, il va éclater. Oh, ils ont tous éclaté. Ah, oh, mais c'est parfait. Non, mais j'en ai juste un. Holy shit, what the fuck, man? Eh. Ah, c'est cool, ils ont tous été one shot. Nice. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. On va continuer de bord. Je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Oh, maudite araignée, ils sont trop, je trouve. Une chance que l'UV baisse vite. Ok. Lui, il y a beaucoup de vie. Et voilà. Ça s'est bien été. Ça s'est bien été. Oui, en effet. Ça l'a bien été. Je déparle parfois. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça fait longtemps que j'ai pas changé d'armure. J'ai pas trouvé une armure qui me convenait tant que ça à date. Oh cool. À part celle que j'ai présentement là, elle, puis la tenue noire qu'on avait avec le grand chapeau. Oh, salut. Ça fait longtemps que j'ai pas une sauvegarde, je trouve. Waouh, c'est beau, check-moi la vue. Voyons aussi, des frame drops. C'est la première fois que j'ai des frame drops depuis que j'ai désactivé mon RTX. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, je dois aller où à partir d'ici? Ok, d'après moi, je crois que je dois faire le tour. Mais là, il y a une porte de bloquer, là. D'après moi, ça, c'est un raccourci. Je pense que j'ai accès seulement à l'entrée. Donc, on va vaincre les automates un par un. Ok, ça, c'est mon plan de match. Donc, toi, viens. Oh, t'es sérieux, là.
C'est vrai qu'il m'a pogné là. Il y avait tellement de range. Ok, là j'ai accès où ici là? Là je peux grimper. Je dois trouver une façon de grimper. Ok, là je dois faire le tour d'après moi. Ici c'est brisé. Je sais pas, je vais aller voir avant en haut. Faut pas que je commence à penser trop. Mais je suis pas mal sûr que cette porte là est bloquée. Mais je perds rien d'aller le tuer lui. C'est ce qu'on va faire. Ouais, ça sert à rien d'y aller. Ok, donc c'est pas là, mais à partir de là, je peux grimper ici. Ah, trompé de bouton. Ok, là je vais attendre que j'aie mon endurance. Allez. Et voilà. Parfait ça. Merci. Ah, on a un beau raccourci là. Tant qu'à avoir un raccourci, vas-tu me racheter des grenades? Je pense que ouais, parce que... Ouais. Madame, the estate's general brandished the threat of rebellion. There is plotting afoot. They are stirring up the populace. Worse, they are making pacts. A number of representatives of the nobility and the clergy have taken up the cause of the Third Estate. As for my army, there is not a man among them I can trust. That is why I have made new arrangements for you. From now on, the Swiss Guard will no longer be protecting you. Then who will, my love? Take a look for yourself. Be assured you are in sturdier hands. What? Whatever do you mean? Isn't that Lutia? Monsieur Vaucanson's dancing doll? Appearances can be deceiving, madame. The Count has made extraordinary improvements to this automat. Aegis, this is Her Majesty the Queen. You are now to serve her. Make sure no harm comes to her and obey the orders she will give you. Madame, I am at your service. Patrolissa? He can speak. This makes no sense. This is sorcery. Make no mistake, madame, it is science, which we owe to the work of the Count. And which will soon be made known to the entire world. Clé d'horloger. Nice. Ben moi, pour être sûr de pas perdre mes manes, là, je gaspille vraiment mes manes, là, mais pour vrai, ces grenades-là m'ont été d'un grand service. Donc, je vais aller me remettre des grenades. 90 grenades, mon chum. Hein? Comment dépenser ces points d'expérience? Je suis trop noob, c'est pour ça. Un levier de rechange. Cool.
this way. Someone is expecting me. I can feel it. I must prepare for the worst. C'est ce que j'ai fait. Je me suis préparé. J'ai 90 grenades. Ah, mais on revient. Ok, oui, là, j'ai la clé du château, donc c'est pour ça que là, j'y ai accès. Oh my god, mais regarde-moi les ennemis qu'il y a. Regarde-moi les ennemis, là. Oh merde. Je vais essayer d'y aller un par un. C'est pour ça que j'ai des grenades. Allez, viens. C'est ça, viens. Lui, il est pas si pire. Parfait. Là, on va tirer lui. Oh my god, ça passait proche, lui. Oh non. Good. Good. Parfait. Là, je crois qu'on est bien. Et réparé. Ah, le carrosse est juste ici. Activé. Ok, j'ai un peur qui m'attaque. La cour du château. Wow. Wow. On est là, là. On est là. Ok, c'est bon. Il y a quelque chose ici. Je vais aller le récupérer au cas où que ce soit peut-être quelque chose d'utile. C'est quoi? Ok, ça n'a pas paru à mon écran. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi. Ok, c'est ça. Let's go. Le nain est fort, hein? Ah, moi aussi, j'ai des grenades. T'as-tu vu comment c'est même trop les grenades? Oh! La soundtrack est tellement cool, là. Oh my god. Tiens. Master.
my master, tyrant! You never were! I am quite happy to concede this point, but what about the Count? Have you forgotten that he gave you life and whispered the order that animates you? Look how he runs, the coward! Do you understand what he has in mind? La pauvre enfant, sleeping so sweetly. She won't be dreaming for long now. Garçon! Athenaïs! Don't move! The time has come to set you free, Aegis. This whore's soul has poisoned your cogs for too long. Adieu, sad puppet. No! Monte Devine, I don't want to die. Athenaïs. The sun is rising, and you have slept for far too long. The beauty of this world longs for you, just as you long for its light. For you are like the flowers that open in the morning. I know you, mon ami. We loved each other. Vous en souvient-il? You gave me your heart. So please, let me give you mine today. Vivez heureuse, Athenaïs. For it is happily that I leave this world. Monsieur, we have the king. It is now up to us to wield his scepter. In this trying time, crucial decisions must be made without delay. First and foremost, we must take back Paris. And how do we do that, mon Dieu? There are automats everywhere, and they are constantly regenerated by their crimes. We have the king. Cagliostro has fled, but he is leaving a trail of blood. I doubt he will survive his injuries. As a result, the automats are left to their own devices, with no one to give them orders and no reinforcements. And since I'm sure that Parisians will no longer venture out into the streets, the machines will soon have no more souls to harvest. Sooner or later, they will no longer be able to move and, par la grâce de Dieu, will become inanimate objects again. It's a matter of days, weeks at most. Mais ensuite, once peace has been restored, what of the kingdom? This is indeed a crucial issue. Leaving the nation without a government would expose it to the greatest danger. Worse, it would condemn it to civil war. Eh bien quoi, monsieur? Can you not govern together? Unfortunately, the disagreements that divide our assembly run far too deep. That which we can agree is that we have been given a chance to choose the person who shall succeed the tyrant. I believe I am the person who is best suited to exercise power. Of course, I will only hold office for as long as it takes to set up a new assembly and a government of the people. For the French will no longer tolerate a king. We can be sure of that. Are you joking? What have you done that would convince us to let you take down the monarchy? Answer, Monsieur de Robespierre. You have our full attention. Monsieur, I rest my case. Very well. We must now make our decision. I pray that each of us shall respect this decision. And set aside our personal interests for the sake of peace.
and the common good. Who among you approves the appointment of Monsieur Maximilien de Robespierre? The National Convention welcomes citoyen Robespierre, Consul of the Republic. Citoyen Louis de Bourbon, former King of France, in the name of the French people, in light of the innumerable crimes of which you have been found guilty, the members of the National Convention, meeting as an extraordinary court, have voted to sentence you to death. The sentence will be carried out on the hour. Now that justice has been done, the nation is ready to hear your last words. My loyal subjects, since you must lead a lamb to the altar, since you must offer a sacrifice to this new France that you intend to found, I will be that sacrifice. How dreadful this world is, where beauty is doomed to fade and flesh decays. I found no consolation in this world. I vainly thought I was giving our souls the gift of immortality beyond our mortal bodies. The Grim Reaper was my sworn enemy. Influenced by the most awful of men, I believed that the genius of machinery could overcome death itself. Alas, I have lost this fight, and am branded with the mark of murderer. Life, even more than the crown, was heavy for me to bear. I have suffered too long under the thumb of nature, which I despised. As a child, I saw my older brother die. I lost my father in the prime of his life, and then my mother, who was even younger. My beloved daughter did not live a year. As for my son, the first of my heirs, I unknowingly gave him to drink from a poisoned cup. I mourn the death of these poor souls daily. My death will not unite us, of this I am certain. For I, in my misery, have lost the support of my faith. So, executioner, lay me down on this board, Vatu. I will sleep now. Sleep at last, and not to dream. Wow! Belle cinématique de fin. Pour vrai, le jeu, là, pour un petit jeu comme ça, là, c'était cool. J'ai quand même bien aimé. J'ai adoré les décors. C'était le fun. Puis pour le dernier boss de la fin, je suis désolé, mais c'était trop tentant de juste garrocher toutes mes grenades à la fin. Puis il m'en restait encore 65. J'étais tellement ben trop OP avec mes grenades. Mais ouais, c'était cool. J'ai quand même pas pire apprécié. La soundtrack était bonne. J'ai aimé l'histoire aussi quand même, tu sais, c'était cool, avec Aegis qui avait de plus en plus d'émotions, puis finalement, elle a tué personne. Louis XVI y a été mis en justice, donc c'est intéressant, honnêtement. Donc j'espère que vous avez apprécié ce let's play-là en ma compagnie. Et puis je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de liker la vidéo et qui s'abonnent également. Donc ça m'aide beaucoup et j'apprécie grandement. Un grand merci à vous. Et puis nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos et de prochains let's play. Donc restez à l'écoute. À la prochaine. Ciao.